Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Dimoncite pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on se penche sur comment créer une fiche produit. On va répondre à deux questions principalement. La première, quelles sont les informations importantes que vont attendre les visiteurs et quelles vont être les images qui vont les convaincre d'acheter. On y va. Allez, on est parti pour créer cette fiche produit. Tout d'abord, commencez par aller dans le manager Imoncite. Ensuite, dans l'onglet boutique, choisissez ajouter un produit. Le titre de votre produit doit être court et décrire brièvement votre article. Il sera utile sur votre site, mais aussi pour votre référencement Google. Pour améliorer ce référencement, n'hésitez pas à mettre des mots-clés dans le titre de votre produit. L'image d'illustration est l'image principale de votre produit. C'est celle-ci qui sera utilisée un peu partout sur votre site, mais également reprise par Google pour indexer votre contenu dans les moteurs de recherche et pour les partages sur les réseaux sociaux. Nous allons choisir notre image. Si vous n'avez pas encore ajouté les images de votre produit, vous pouvez le faire en cliquant sur « Ajouter une image ». Nous allons choisir celle-ci. Choisissez maintenant la catégorie de votre produit. Dans notre exemple, nous choisirons « Affiche ». Vous pouvez utiliser votre produit comme raccourci d'une fiche produit. Vous pourrez donc choisir la catégorie à cet endroit. Dans notre cas, nous n'en aurons pas besoin. Choisissez le nom du fournisseur et le nom du fabricant. Si vous n'en avez pas encore créé, vous pouvez le faire facilement en cliquant sur « Ajouter un fournisseur » ou sur « Ajouter un fabricant ». L'état de la fiche produit vous permet d'indiquer si le produit est visible ou non des visiteurs de votre site. Si vous n'avez pas terminé et que vous souhaitez sauvegarder vos modifications, vous pouvez indiquer « Non publié ». La description courte est une phrase d'accroche présente sous votre produit. Dans notre cas, nous choisirons carte Damien minimaliste. L'état de votre produit permet d'indiquer s'il s'agit d'un produit neuf, d'occasion ou encore reconditionné. Les tags sont une partie très importante et souvent délaissée par les webmasters. C'est pourtant une très bonne manière pour Google de comprendre ce que vous vendez et quels mots-clés seront utilisés par un utilisateur pour trouver votre produit. Ne mettez pas trop de mots-clés, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur votre référencement. Dans notre exemple, nous allons entrer 5 tags uniquement et nous allons les séparer par des virgules. Nous allons donc mettre affiche, carte, map, Amiens et ville. Tout simplement, ces 5 tags aideront à définir mon produit. C'est une affiche avec une carte ou une map. Une affiche d'une ville, et quelle ville? Amiens. Passons à la description du produit. C'est le meilleur moyen et le meilleur moment pour convaincre votre client. Il ne connaît pas le produit et il a besoin de comprendre plusieurs choses. Comment est-il fait? De quoi est-il composé? Comment on l'utilise? Ou comment on l'entretient? Dans notre exemple d'affiche, nous indiquons les encres utilisées, le type de papier, les dimensions et le poids du colis. Si des choses ne sont pas incluses dans votre produit, indiquez-le maintenant pour éviter les mauvaises surprises lorsque le client recevra sa commande. Passons à la partie tarif. Nous allons indiquer le prix de vente TTC, ce qui indiquera automatiquement le tarif hors taxe. Indiquez l'éco-participation si vous êtes assujetti et indiquez votre taux de TVA. Le prix d'achat correspond au prix auquel vous avez acheté la marchandise si vous ne la fabriquez pas vous-même. Il est utile si vous voulez mesurer votre rentabilité dans les statistiques de votre manager. Cependant, rassurez-vous, il n'apparaîtra jamais sur votre boutique. Le poids, quant à lui, servira de base de calcul des frais de port. Il est très utile si vous utilisez notre module Boxtal pour générer des bons de livraison rapidement et obtenir des tarifs remisés. Dans notre cas, nous indiquerons 100 grammes. Si la tarification de votre activité est réglementée, vous pourrez indiquer les prix au kilo, au litre ou encore à l'unité. Dans la gestion de stock, vous pourrez indiquer le nombre d'unités que vous avez en inventaire et si vous acceptez ou non les commandes lorsqu'un produit est en rupture. Le nombre de ventes vous permet de décider de la position d'un article dans le top vente. Si vous voulez créer une réduction ou des tarifs dégressifs, vous pouvez l'indiquer ici pour la réduction, ici pour le tarif dégressif. Si vous préférez créer un code promotionnel valable sur plusieurs articles, vous pouvez regarder notre tutoriel sur la création d'un code promotionnel. Le lien est disponible dans la description. Passons aux références. Ils vous permettent d'identifier vos produits plus facilement. Le code produit unique est quant à lui obligatoire lorsque vous vendez sur Amazon ou d'autres places de marché.
Les options Google Shopping vous permettent de configurer les informations qui parviendront à Google lorsque vous créerez des campagnes publicitaires ou des campagnes de retargeting. Mais rassurez-vous, on en parlera prochainement en détail dans une autre vidéo. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à vous abonner en dessous et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va maintenant pouvoir cliquer sur Enregistrer. Nous avons fini la première partie de notre produit. C'est le moment maintenant d'ajouter de belles photos à notre produit. On va donc cliquer sur Modifier et sur l'onglet Photos. C'est une partie importante pour votre client. Il faut des photos de très bonne qualité pour le convaincre d'acheter. Deux types de photos doivent d'ailleurs être présentes. Des photos sur fond blanc qui permettent au client de zoomer et de voir tous les détails de votre produit. Et des photos dites de mise en situation qui permettent de se rendre compte des proportions et du rendu. C'est en quelque sorte un moyen de se projeter pour lui. Si vous avez acheté des produits à un fabricant, mon conseil serait de ne pas vous limiter aux photos qu'il vous fournira. En effet, l'idée pour vous, c'est de vous apporter une plus-value intéressante, notamment par rapport à vos concurrents qui se limiteront parfois uniquement à ces photos fournies. Nous allons donc ajouter ces deux types de photos sur fond blanc et mise en situation. La première photo que vous allez ajouter sera celle qui sera mise en avant partout sur votre site. Donc choisissez-la bien. Dans notre cas, on choisira celle-ci. Et nous allons choisir les autres photos, toujours mises en situation, et ensuite les photos sur fond blanc. N'hésitez pas à mettre des photos, 5 est un bon minimum. Moins vous avez de photos, moins les clients qui viendront sur votre boutique pourront se projeter avec votre produit. À cette étape, pas besoin de chercher de bouton enregistrer, vos photos sont automatiquement rattachées à votre produit. Je vous propose d'aller voir ensemble ce que ça donne. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, mettez-nous un pouce. Vous avez maintenant toutes les informations pour créer une super page produit. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. Et abonnez-vous pour avoir tous les nouveaux tutoriels et il y en a plein à venir. Je vous dis à bientôt, bonne journée.